la 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 la. Nous y voilà. Ha, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon plus grand rêve. D'accord, voilà. Mon rêve est d'avoir Monsieur Beast comme père. Et un jour, mon rêve deviendra sûrement réalité. Tu crois vraiment que tu vas être adopté? Rends-moi ça! Monsieur Beast n'a pas besoin d'une mendiante comme toi. Rends-le-moi! Ok, tiens. Oups! Oh, je vais tout dire au directeur! Oh. Alors, va tout dire. Allons-y. Je suis désolée. Je suppose que c'est vraiment un rêve stupide. Ah, quelle gentille fille! Je ne vais pas en rester là. Tous les rêves doivent devenir réalité. Ok, silence. Rentrons là-dedans. Vous êtes venu pour vous moquer de moi encore une fois. Surprise! Jimmy, c'est moi. En fait, je suis là. Est-ce que je rêve? Et j'entends tout, vraiment tout. C'est vraiment toi? Mais oui, c'est moi. Alors, est-ce que t'es convaincu? Que fais-tu ici? Eh bien, en fait, je suis venu te chercher. C'est drôle. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Je suis vraiment venu te chercher. Maintenant, dis-moi que les licornes sont réelles. Attendez une seconde. Je vais tout lui expliquer. Tiens, regarde. Tout est écrit ici. C'est son affaire. Donc c'est... C'est vrai? Oui. Il semble que la surprise ne se soit pas déroulée comme prévu. Hey. Tout va bien. Chut, silence, silence. Du calme, ou je ne pourrai pas être ton père. J'ai un bébé. Je suis devenu papa. C'est vrai? Oui. Je suis tellement, tellement heureuse. Moi aussi. J'imagine. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu dirais d'aller faire du shopping? Je n'en ai jamais fait. Mais je pense que ça va me plaire. Alors allons faire du shopping. Ouais. Donc, ma fille et moi sommes allés au magasin. Bien qu'elle ne sache pas que je suis... Quoi? Je sais pas quoi. Ne sais pas que tu peux choisir tout ce que tu veux par ici. Absolument tout. Oh ouais. Ouais. D'accord. Allez, vas-y, choisis. D'accord. On prend ça, ça et ça. Voilà. Et ça, et ça. Ouais. Je peux avoir des jouets. Ouais, ceux-là. Des jouets, d'accord. Je vais prendre celui-ci. Et celui-là, celui-ci, et aussi celui-là. Celui-ci, très bien. C'est pour quoi ça? Ça? Et ça? C'est cool. Voilà. Je ne sais pas. Je sais pas, t'es sûre de ça? Moi? Oui. Pour ça? Dans ça. J'en suis sûre. Ah, d'accord. Vous prendrez tout ça. Nous? Eh bien, oui, nous prenons tout ça. Mais à une condition.
Viens avec moi. Une condition? Quelle condition? Tu te souviens quand je t'ai promis qu'on pourrait tout avoir dans ce magasin? Oui, je m'en souviens. Voilà. Donc, ta mission est simple. Tu devras mettre toutes ces choses dans ce carré. Mais... ça, c'est dont j'ai rêvé toute ma vie! D'accord. Super. Et vous et moi, nous allons voir si Amélia peut emporter toutes ces choses avec elle. Ou bien, est-ce qu'elle restera sans rien? C'est ce qu'on va voir. D'accord, vas-y, mets le dernier. Oh, quel moment passionnant! Alors? Alors? Ok, je pense que quelqu'un va recevoir des cadeaux aujourd'hui. Très bien. 3, 2, 1... J'arrive pas à y croire! Ouais! Ouais! Wouhou! Wouhou! Yay! Papa! Ouais! Ouais! Yeah! Tu as pris tout le magasin! Ouais! Yeah! Ah, j'y crois pas! C'est complètement incroyable! Mes amis, c'est incroyable! Tout ça est à moi! À moi! Yay! Yeah! Moi! Tiens, prends ça! Merci! Voilà! C'est le plus beau jour de ma vie. Bonne journée à vous. Au revoir. Et vous les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de rester de bonne humeur. Tu pourras pas me rattraper. Je suis sur le point de te rattraper. Et je vais faire la course. Ah, j'ai gagné, j'ai gagné. Oh, t'as juste eu de la chance. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Wouh. Ça va bien? Non. Alors peut-être un de plus? Non, on fera ça plus tard. Hé, hey, hey, tout le monde! Ma fille et moi, nous avons décidé de jouer un jeu de cache-cache extrême. Les règles sont simples. Si elle se cache et que je ne la trouve pas, elle va gagner une voiture! Wow! Ok, donne-moi ça. Wow! Je vais gagner, c'est sûr. Et récupérer mon prix. Ouais, c'est ça. Yep. Ouais. D'accord. Elle va gagner. Ouais. Peut-être. C'est pas sûr. Je compte jusqu'à 100. 1. 2. Eh bien, j'ai besoin de me cacher là où personne ne peut me trouver à coup sûr. Yep. Plus haut. D'accord. 34. D'accord. 35. Il a réfléchi. 36. Se cacher. 37. Ok, essayons par ici. On n'a pas le temps d'attendre. D'accord. 64. Je crois que je sais. Et 100. Je vais chercher. Oh! Et ici... des baskets? Hein? Je l'ai sous-estimé. Je l'ai clairement entendu quelque part ici. Où est-ce qu'elle aurait pu aller? Hein? Où est-elle? Où est-ce qu'elle pourrait se cacher? Voilà. Oh, ok, chut. Où est Amélia? Où est-elle allée? Oh, oups. Je t'ai trouvé. C'est pas juste, tu m'as entendu. Et alors, tu vas où? T'énerve pas. Jouons à autre chose. Non. J'exige une revanche. Maintenant, tu te caches. Tiens. D'accord. Mais par contre, les cachettes sont illimitées. D'accord. Marché conclu. C'est un accord.
Compte. Je compte. Elle ne me trouvera jamais. Deux. Trois. Hein? 99. 100. Je vais chercher. D'accord. Ah, j'adore ce jeu de cache-cache. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Peut-être qu'il est. Oh. Mais oui. Oh. Pas ici non plus. C'est tellement bien que je peux me cacher n'importe où. Elle ne me trouvera jamais ici. On joue à cache-cache, il a disparu. Papa, reviens. Je veux plus jouer. Je ne pensais pas qu'elle serait si inquiète. J'aurais dû me cacher à la maison. Il me faut un avion, et c'est urgent. Rentrons à la maison, c'est compris. Allons-y. C'est Mister B... Beast, Beast. Beast, avec un S, c'est ça? Oui, avec un S. Vous pensez que votre père est parti où? Je sais pas. Je l'ai cherché partout. On va le chercher avec nos propres méthodes. Oh! Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Oh! 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 Oh, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je pensais que t'avais compris que je pouvais me cacher n'importe où dans le monde. Désolé, je le referai pas. Voici une promesse. Voici votre père. Je vous avais dit qu'on le retrouverait. J'ai eu tellement peur. Plus de cache-cache. Plus jamais, plus jamais. Papa. Et si on mettait plus d'action au montage? J'aimerais également suggérer que... proposer d'acheter le centre commercial avec toutes les boutiques. Et faire une nouvelle vidéo, oui c'est ça. Oh, allez, je m'ennuie. Oh, mais j'ai personne avec qui jouer. Ah, tu veux jouer? Tu ne vois pas que je suis occupée. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé au sujet du centre commercial? Qu'est-ce que je suis censée faire d'elle? Je suis désolée. Je suis juste un peu occupée. Et je veux jouer. Oh! Et tu veux gagner 100 000 $? Waouh! Pour moi toute seule? Toi toute seule. Oh, j'en ai vraiment envie. Waouh! Mais c'est pas si simple. Tu devras garder la main sur la valise le plus longtemps possible. Ensuite, l'argent sera à toi. Plus tu tiens longtemps, plus tu as de chances de gagner. Alors, tu es prête? Presque. Je dois juste aller faire pipi. Je suis prête. Ok. Le temps passe. Et rappelle-toi, je peux tout voir.
Excusez-moi, les amis. Les enfants, vous savez ce que c'est. Et on a de nouvelles idées pour l'introduction à l'ordre du jour. Il était temps. Bon, bah c'est tout pour l'instant. À la semaine prochaine, les amis. Au revoir, tout le monde. Qui est là? Je vais te tirer maintenant. Doucement, doucement. C'est moi. Détends-toi. Papa, c'est toi. Je te ferai bien un câlin, mais... En fait, je gagne de l'argent, là. Ça fait une heure que t'es assise ici. Ça suffit. Je vais te donner l'argent. Oh. Je t'ai dit, tu peux lâcher maintenant. Non, je veux pas. Oh. On dirait que quelqu'un a faim. C'est dommage qu'on ne puisse pas sortir manger. Parce que tu ne veux pas lâcher. Je vais trouver quelque chose. D'accord. D'accord. Que désirez-vous? Tout! Je paierai pour tout. Oh, ma chère fille. À l'étapement 5. Allez. Voilà. C'est l'anniversaire de ma fille. Vous pouvez croire à ça? Elle est grande maintenant. Oh, elle est trop mignonne. Les enfants grandissent si vite. Oh, ok, c'est bon. Tout est prêt. C'était rapide. Allez, il est temps de la réveiller. J'ai hâte de lui donner son cadeau. Joyeux anniversaire! Surprise! C'est un vœu. Allez, souffle les bougies. Oh, qu'est-ce qu'il y a dans le gâteau? Joyeux anniversaire. Tu n'aimes pas? Merci, papa. C'est le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu. C'est pas un cadeau, ça. Comment ça, pas un cadeau? En fait, oui. Le voici. Il y a 100 millions de dollars là-dedans. Et voilà, c'est à toi. 100 millions de dollars? Oui. Mais seulement pour 24 heures. Pour 24 heures seulement? C'est ça. Alors pourquoi on est assis? J'ai donné à ma fille 100 millions de dollars. Pour 24 heures seulement. Allons regarder ça. Commençons par la nourriture. Ouais, choisissons un restaurant. On n'a pas le temps d'aller au restaurant. On va tout commander ici. Bon, d'accord. Bonjour, oui, on voudrait 10 pizzas, 4 fromages, s'il vous plaît. Je pense que tout l'argent va partir dans la nourriture maintenant. Et des petits pains. Des petits pains, très bien. Papa, tu veux un hamburger? Non. J'en veux pas, merci. Ah, et deux hamburgers. Oui, 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 avec une sauce spéciale. Écoute, et si ça suffisait maintenant? On ne peut pas tout manger, chut, tu sais. Chut. Et s'il vous plaît, votre dessert fétiche, s'il vous plaît. Oui, avec de la crème anglaise. Parfait. Et du coca, du coca, du coca, du coca. Oui, sans sucre. Je ne veux pas prendre de poids. Oui, sans sucre. Merci, au revoir. D'accord. Donc, c'est 4 fromages. Voilà la livraison, papa. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donne-moi la carte. Deux burgers. Oui. Et du coca sans sucre? Eh ben, bon, c'est sans sucre, hein. Oh, les filles. Waouh. T'as mangé ça toute seule? Ouais. T'en veux? Vous imaginez ça. Elle l'a mangé toute seule. Ok.
Tu finis tout ça et on doit aller faire des courses. En fait, tout l'argent doit être dépensé. D'accord. Ouais, on dirait bien que j'ai sous-estimé cette fille. Et ce n'est qu'un début. Papa, dépêche-toi! Maintenant, les magasins sont fermés! Continue! On a encore beaucoup de choses à acheter! Waouh, quelle voiture! Je veux! Ma fille va enfin pouvoir s'acheter une voiture! Ouais! Y a rien à manger ici. J'ai envie d'une part de pizza fraîche. Pas de ces restes. Ah, allez, on y va. Ils nous ont déjà perdus à l'orphelinat. Quelque chose ne va pas. J'ai pas besoin de la voiture ni de ses achats. Ah, j'ai compris. C'est une farce, n'est-ce pas? Ok, allez, viens. Il faut qu'on dépense l'argent rapidement avant de manquer de temps, hein? Tiens, pourquoi pas aller à Disney? Très bien. Peut-être des îles privées? Non! Bah, qu'est-ce que tu veux alors? Je veux réaliser les rêves des enfants de l'orphelinat comme tu as réalisé les miens. Oh, ne me regardez pas! Oh, je ne pleure pas! Oh, j'ai la meilleure fille au monde! Oh, viens par là! Oh. Eh bien, de quoi rêvent les enfants à l'orphelinat alors? Cindy rêve d'une nouvelle robe. D'accord. Ewald, je pense qu'il ne serait pas contre une nouvelle épée. Et Christy... Oh oui, c'est vrai. Elle voudrait une poupée. Chut. C'est mon tour, pas le tien. Bonjour. Monsieur Beast! Attendez un peu. Papa vous donnera un autographe plus tard. En attendant, on vous a apporté des cadeaux. Oh, waouh, qu'est-ce que... Waouh. C'est la robe dont je rêvais. Et voici le dernier iPhone. C'est celui dont je ne pouvais même pas rêver. Merci, Monsieur Beast. Mais c'était pas moi. C'était Amélia. Amélia? Oui. Merci, Amélia. De rien. Alors, c'est l'heure de la photo? On y va!